Navigatrices et navigateurs du web, bonjour et bienvenue sur Petits Trucs et Astuces PC. Microsoft est en ce moment sur le devant de la scène sur la protection de la vie privée, avec la révélation que le système d'exploitation Windows 10 recueille ce que vous avez fait sur votre PC et le transmet et stocke sur le site, et ce même si vous avez explicitement signalé de ne pas le faire. Le problème a été signalé par un utilisateur du forum Reddit, et il est très facile de le vérifier par vous-même sur votre PC Windows 10. L'historique de l'activité enregistre ce que vous avez fait sur votre PC, avec les applications, les documents, et ainsi de suite. Vous pouvez voir l'historique de vos activités en ligne. Il y a une grande différence entre le stockage de données sur votre PC et le stockage en ligne. Pire encore, si vous cliquez sur « Effacer l'historique de l'activité », ces éléments ne seront pas réellement supprimés sur le site. Bref, la confusion règne totalement. Peu importe ce qu'il se passe réellement, je pense que le mieux est d'agir et bloquer si on le souhaite. Alors certes, cela semble être quelque chose que Microsoft devrait vite résoudre, ils ont fait de sorte pour rendre les choses plus transparentes sur la protection de la vie privée, et plus précisément en ce qui concerne Windows 10. Historiquement parlant, ce système d'exploitation n'a pas eu une bonne expérience au premier abord. Alors voici comment vérifier, effacer et bloquer l'historique des activités. Déjà, vous allez vérifier les paramètres de confidentialité. Cliquez sur le menu de démarrage. Puis sélectionnez Paramètres. Cliquez sur Confidentialité. Dans le panneau de gauche, sélectionnez Historique des activités. Si ce n'est pas effectué, commencez par décocher les deux cases. Vous pouvez aussi désactiver cette fonction. Comme précédemment dit, effacer l'historique des activités ne fonctionne pas. Pour preuve, je clique sur effacer. Si vous avez un compte Microsoft, connectez-vous pour vérifier. Ou sinon, créez-en un. Il est préférable, pour des raisons de sécurité, de ne pas cocher la case. Nous sommes maintenant au cœur du sujet. Pour visualiser l'historique, cliquez sur « Afficher et effacer l'historique ». Pour celui-ci, il n'y a rien, j'avais fait le ménage. Passez aux autres. Voilà, pourtant j'avais cliqué sur effacer. Tous les logiciels que j'ai utilisés sont dans la liste. Si vous souhaitez effacer les listes, rien de plus simple. Cliquez sur effacer l'activité, puis effacer. Voilà en ce qui concerne vos données sur le site Microsoft. Par contre, si vous voulez être sûr que vos données restent sur votre PC, il faut se rendre dans la base de registre. Cliquez sur l'icône recherchée. Puis tapez Regedit. Sélectionnez Exécuter en tant qu'administrateur. Sélectionnez HKEY Local Machine. Puis Software. Maintenant Policy. Microsoft. Windows, puis pour finir, Système. Avant d'aller plus loin, vous pouvez effectuer une sauvegarde de la clé de registre avant modification. Si les événements reviennent à la normale, vous pourrez simplement double-cliquer dessus. Clique droit sur Système. Sélectionnez Exporter. Ouvrir le chemin vers le dossier de sauvegarde. Nommez votre sauvegarde de façon à pouvoir la retrouver facilement. Puis cliquez sur Enregistrer. Sur le panneau de droite, vous avez deux valeurs. Clique droit, puis sélectionnez Modifier. Mettre la valeur sur 0. Faites de même pour la deuxième. Vous
pouvez maintenant refermer l'arborescence et quitter la base de registre. Pour la prise en compte des modifications, vous devez redémarrer votre PC. Maintenant, vous serez désormais tranquillisé sur le devenir de vos données. La vidéo est maintenant terminée. Merci de l'avoir regardée. Je compte sur vous pour la partager sur vos réseaux sociaux. Laissez un like et un commentaire pour soutenir mon travail. Vous pouvez aussi me soutenir via la cagnotte participative PayPal, indiquée dans la description ou la page d'accueil. Merci à celles et ceux qui ont participé. N'oubliez pas de vous abonner, si ce n'est pas déjà fait, et d'activer la notification afin d'être alerté sur les dernières vidéos mises en ligne. Je remercie au passage les abonnés d'avoir rejoint ma chaîne et de continuer à y être. Navigatrice et navigateur du web, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.